Bonjour, je me présente Marie-Pierre Gendron, audioprothésiste, et aujourd'hui, je vais vous présenter les deux grandes familles d'appareils auditifs, les intra-auriculaires et les contours d'oreilles. Nous allons commencer par l'appareil pleine conque. L'appareil pleine conque, bien qu'elle soit plus volumineuse que les autres, peut être vraiment pratique pour certaines personnes qui auraient par exemple des troubles de dextérité, de manipulation. L'autonomie de la pile aussi est grandement améliorée du fait qu'on a une pile plus grande et on a moins de risque aussi de la perdre. Par contre, au niveau des inconvénients, c'est sûr qu'au niveau de l'esthétisme, on a un appareil qui est un petit peu plus gros dans l'oreille, donc un peu plus apparent. Donc il faut mettre un petit peu l'orgueil de côté pour cet appareil-ci, mais qui va même très bien remplir la fonction de mieux entendre. On va continuer maintenant avec l'appareil demi-conque. Donc, c'est un petit peu la petite sœur de la pleine conque qu'on vient tout juste de voir. Elle va remplir la moitié, la demi de la conque de l'oreille. Et donc, on va perdre aussi un peu d'autonomie au niveau de la pile, qui est une pile plus petite. C'est un appareil qui va être donc un petit peu plus discret que la pleine conque. Au niveau de la manipulation, ça va quand même assez bien parce qu'on a simplement un morceau à manipuler, contrairement à d'autres modèles. Donc, on va tout simplement l'enfiler à l'intérieur de l'oreille. Au niveau des inconvénients, ça va être aussi un petit peu plus au niveau de l'esthétisme parce que de côté, vous allez pouvoir voir qu'elle est un peu plus apparente. On continue ensuite avec les CIC. C'est une des chouchous au niveau des appareils auditifs. La plupart des gens aiment beaucoup que l'appareil ne paraisse pas trop. Donc, au niveau de la discrétion, c'est sûr qu'on gagne des points de ce côté-là. Par contre, il faut quand même comprendre que c'est des appareils qu'on doit entrer à l'intérieur, la pile, le microphone, l'écouteur, la puce électronique. Donc, ça ne conviendra pas à tous les types de pertes auditives et à tous les types d'oreilles. Les avantages de cet appareil-là sont quand même, bon, la discrétion, c'est un point indéniable de ce côté-là. Le bruit du vent va être aussi un petit peu moins perceptible du fait qu'elle va être bien cachée, bien dissimulée dans le conduit auditif. Par contre, les gens qui ont plus de problèmes au niveau de la dextérité, ben, ça peut être un défi un petit peu plus grand à ce niveau-là. La pile aussi qui est plus petite, qu'on doit changer plus souvent. Son autonomie est réduite, mais c'est un appareil qui n'est pas accrochant, du fait qu'elle est bien dissimulée dans l'oreille. Ensuite, nous avons la IIC, donc encore un peu plus petite que la CIC. On va perdre quelques fonctionnalités que peut nous offrir la CIC. On va vraiment miser tout sur la discrétion. On veut l'appareil le plus petit possible. Donc, on va être obligé parfois de mettre des gadgets de côté. Pas de possibilité de Bluetooth, par exemple. C'est la même pile que la CIC. Donc, on retrouve à peu près les mêmes avantages, désavantages que la CIC, mais c'est vraiment qu'on mise tout sur la discrétion et qu'on va mettre un petit peu les gadgets de côté. Donc finalement, nous avons un peu une variante de la famille des intra-auriculaires. C'est un appareil auditif qui n'est pas moulé sur mesure, qui est un petit peu plus standardisé. En fait, les fabricants d'appareils auditifs essaient de plus en plus de sortir un petit peu des sentiers battus pour aller chercher des gens qui seraient plus rébarbatifs au look traditionnel des appareils auditifs. Donc, c'est une possibilité. Nous allons maintenant passer à la famille des contours d'oreilles. Débutons par la contour régulier. Le contour régulier, c'est un appareil auditif qui est plus robuste. On va le voir plus souvent chez les enfants ou les personnes ayant une perte d'audition sévère à profonde. Pourquoi chez les enfants particulièrement? C'est vraiment à cause de sa robustesse. On utilise des composantes plus solides, plus résistantes pour la fabrication et on a aussi un plus grand choix de piles à utiliser. Donc, on peut avoir une autonomie plus grande au niveau de la pile et vraiment pour les pertes sévères à profonde, c'est un must. On a besoin d'énergie au niveau de la pile, de puissance. Donc, c'est vraiment cet appareil-là qui va être optimal. C'est sûr qu'au niveau esthétique, c'est un appareil qui va être plus apparent, mais l'avantage de bien entendre va surpasser ça, évidemment. Passons ensuite au modèle mini contour d'oreille.
encore une fois, j'y vais du plus grand au plus petit pour cette famille-ci. Donc, c'est la petite sœur du contour régulier. On va retrouver quand même l'aspect plus robuste comparativement à la famille intra-auriculaire parce que la technologie, la pile, va être vraiment protégée par le boîtier qu'on va porter cette fois-ci sur le dessus de l'oreille et non pas tout en entier dans l'oreille. Donc, c'est certain que l'appareil va être un petit peu moins exposé aux éléments indésirables de l'oreille, tels que le cérumen, l'humidité, etc. Il y a tout de même une composante, en fait, qui rentre à l'intérieur de l'oreille pour aller porter le son, mais cette composante-là va être facilement réparable en clinique, contrairement aux appareils intra-auriculaires. On va aller chercher aussi plus de fonctionnalités un petit peu que les appareils intra-auriculaires, étant donné que la dimension est un petit peu plus grande. On n'a pas à rentrer toute la technologie dans l'oreille. Donc, on va avoir accès à du Bluetooth, par exemple, pour le streaming de la télévision, du téléphone cellulaire, les microphones directionnels pour vraiment faire le focus dans des situations d'environnement bruyant. Par contre, au niveau des inconvénients, le fait que ce soit localisé sur le dessus de l'oreille, c'est un petit peu plus accrochant. Pensons aux branches de lunettes, aux fameux masques. Lorsqu'on enlève une pièce de vêtement, il faut quand même être vigilant pour ne pas les perdre. Donc finalement, on va terminer avec un modèle mini contour d'oreille, encore une fois, qui est simplement pour vous montrer une variante au niveau du design de la couleur. Je voulais ajouter aussi que les appareils mini contour peuvent être maintenant rechargeables, qui est vraiment une fonction que les gens recherchent ces temps-ci au niveau de la fonctionnalité. C'est plus pratique là, au quotidien et on n'a pas à manipuler les piles. Vraiment, gardez en tête que les appareils auditifs que je vous présente aujourd'hui, bien, ça évolue constamment au même rythme que les technologies, que les cellulaires et tout ça. Et c'est plus les appareils auditifs beige traditionnels qu'on est habitué de voir. Donc, venez nous rencontrer pour qu'on puisse vraiment trouver l'appareil auditif qui va vraiment correspondre à vos besoins, à ce que vous recherchez, pour que vous puissiez finalement mieux entendre.